Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Bienvenue à ce nouveau numéro de ce jeudi 11 janvier 2024 où nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Mathieu, notre invité. Bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Pour aujourd'hui, est-ce que ça va Monsieur Mathieu? Ça va et puis Monsieur le journaliste. On commence avec cette nouvelle de la suite des affrontements où un calme précaire s'observe depuis un temps aux lignes de front. Pendant ce temps, des silences où les rebelles du M23 ont prétendu qu'ils sont en train de se réorganiser pendant que les FARDC respectent le cessez-le-feu. Monsieur Mathieu, ne le voyez-vous pas que vraiment c'est un problème? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un problème, oui, c'est déjà un problème. Parce que si les rebelles, on observe un calme apparent, c'est parce qu'ils ont subi de lourdes pertes. Et ils ont été frappés, ils ont subi des frappes de drones. Des drones qui les ont infligés un calme précaire. Et nous avons appris qu'ils ont même fui les autres au Rwanda, les autres en Ouganda. C'était la débandade à Bunagana, à Nyongera, à Kiwanja. Tout le monde a fui de tous les côtés. C'est-à-dire, nous pensons que ce calme ici ne puisse pas nous endormir et que les FARDC puissent travailler fort, continuer à les traquer jusqu'à leur dernier retranchement, parce qu'on ne peut pas continuer à observer ces effets pendant que l'ennemi est en train de nous attaquer, est en train d'occuper notre territoire, et que donc cette accalmie ne puisse pas nous endormir, et nous appelons les FARDC de continuer à frapper fort pour que l'ennemi puisse libérer dehors de la République. On a déjà un gouvernement qui est confirmé, et un président qui est déjà réélu, donc on a tous les pouvoirs, nous pensons que c'est le moment maintenant de pousser fort, d'appuyer la force, la SADC qui vient d'arriver et que les FARDC ne doivent pas s'endormir, doivent continuer à frapper fort, messieurs les journalistes. Depuis plus de 2 ans, les rebelles du M23 sont dans les territoires de Rutshuru. Pourquoi les FARDC n'arrivent pas à les déloger dans ces territoires? Messieurs les journalistes, c'est depuis longtemps que nous avons été pacifiques. Nous avons observé tous les accords qui ont été signés en Afrique du Sud, en Nairobi, et partout ailleurs, les cessez-le-feu qui ont été initiés même par les États-Unis ici avant les élections. Nous pensons que maintenant c'est le moment où on doit appuyer sur les leviers diplomatiques, en même temps sur les leviers de la force d'intervention. Avec l'arrivée de la SADC, nous avons l'exemple de 2013 où, avec Eva Mamadou, appuyé par la brigade d'intervention rapide, la brigade qui était composée en majorité par les militaires tanzaniens, nous pensons que c'est le moment maintenant. Avec la SADC qui arrive avec cette force, avec le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie encore une fois, nous pensons que c'est le moment maintenant pour bouter dans l'ennemi de la paix. Et que donc, même s'ils viennent de faire autant de jours, autant de mois sur notre sol, nous pensons que c'est le moment. On va bouter dehors l'ennemi. Est-ce qu'on peut espérer un résultat escompté avec l'arrivée de la SADC? En tout cas, nous sommes confiants avec la SADC. Ce n'est pas une promenade comme ce qui a été fait avec la force de l'ANC, une promenade pure et simple où on nous a distrait. Et nous pensons que le président Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, réélu, a compris la voix de la population, a compris toutes les réclamations de la population pour demander à l'ANC de retourner et d'appeler la SADC qui nous a toujours aidé. C'est notre ami. Souvenez-vous de l'époque de Laurent Désiré Kabila. Quand il a dit non aux amis rwandais qui l'ont amené au pouvoir, qui l'ont accompagné au pouvoir avec les Ougandais, quand il a dit non, maintenant finis votre émission, vous pouvez retourner chez vous. Ils ont tourné les armes contre la RDC et il s'est tourné vers la SADC. Et la SADC nous a aidés à bouter dehors ces ennemis-là. Donc nous pensons que c'est vraiment un moment et la SADC va nous aider à défier ces ennemis de la paix de la RDC. Est-ce que le gouvernement congolais possède des moyens nécessaires pour mettre fin à cette guerre à l'est de la République? En tout cas, pour le moment, nous pensons que la RDC est prête. La RDC a des moyens. La RDC a montré de quoi elle est capable. La RDC a stoppé net l'agression rwandaise et sous le label du M23 qui pensait que quitter Bunagana, arriver à Kinshasa, c'est du matin au soir. Mais voilà, ça fait combien de temps ils sont là? Ils sont en train de stopper net. Ils sont en train de subir des pertes énormes en armes, en munitions, en hommes.
ils sont en train de fuir. Dernièrement, les samedi, nous avons vu comment les drones et les eaux infligées de pète, et ils sont là. Ils sont là et en train de subir. Nous pensons que la guerre va finir. Nous sommes confiants avec le gouvernement, avec l'engagement du gouvernement actuellement. Nous pensons que ça va finir. Et les pays agresseurs vont nous laisser la paix. D'ailleurs, nous pensons que les gouvernements sont en train d'aller vers les déclins et ils sont en train de changer. Et que nous allons vivre à paix en Afrique centrale, messieurs les journalistes. On va parler de nomination des généraux des régions qui a été effectuée il y a quelques jours. Pensez-vous qu'avec cette mesure, la paix de la RDC, avec ces nominations qui ont été effectuées à l'est de la République, notamment dans l'Ituri et dans la province du Nord Kivu, ces généraux seront capables à mettre fin à la guerre à l'est de la République? Bon, nous souhaitons d'abord que bienvenue à ces nouveaux nominés et que nous les rappelons que avant qu'ils n'arrivent, il y a des promesses déjà avec l'état de siège, que ce soit en Ituri, que ce soit au Nord Kivu. Les gens qui ont été nommés dans des régions militaires, les commandants, les gouverneurs militaires, en tout cas, leur bilan est mitigé. Ils n'ont pas satisfait à la volonté du peuple. Parce que c'était de voir et terminer les tueries au niveau de l'Ituri et refouler les agresseurs au niveau du Nord Kivu, mais chose qui n'a pas été faite. Et la population continue à réclamer. Je crois que le gouvernement a compris pour essayer de changer la donne. Nous avons vu ici, par exemple, au Nord Kivu, un commandant de région militaire qui est décédé dans des conditions qu'on n'avait pas compris. Et voilà aussi, il y a un autre qui a été interpellé, rappelé à Kinshasa, pour des raisons où la population ne s'est pas retrouvée. Et voilà, au nouveau nominé, nous souhaitons la bienvenue et nous lui demandons seulement de nous aider à finir avec les agresseurs. C'est tout ce que la population demande. Donc ces nouvelles nominations, je crois, elles répondent à l'aspiration du peuple congolais, du peuple qui est au Nord Kivu, du peuple qui habite l'Ituri, parce qu'on ne voit pas les choses changer. Nous sommes des analystes des indépendants, mais on ne voit pas les choses changer. Il faut que les choses changent. Qu'on récupère Kichanga, qu'on récupère Bunagana, qu'on boute dehors l'ennemi de la paix. Et là, on aura atteint l'objectif. Ces nominations sont les bienvenues, messieurs les journalistes. Depuis plusieurs temps, le système EDUF qui prône vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce système EDUF? Non, l'EDUF est en train de finir. Les promesses, c'est qu'on est en train avec les agresseurs rwandais ici, qu'il faut qu'on ne sait pas s'occuper sérieusement des ADF. Nous avons été à Beni, nous avons été à Bunia, nous avons vu comment les gens tuaient, mais ça n'est plus l'ampleur aujourd'hui. C'est un phénomène qui a été hérité du gouvernement de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. À cette époque-là, on a tué les gens, on a massacré les gens, on arrivait même à ville de Beni, au centre-ville, on arrivait même au niveau de Mopanda. Là-bas, on a tué les gens à Mopanda. J'étais à ma vie à cette époque-là. Nous avons vu comment les gens ont été massacrés. Alors, actuellement, la situation a changé. Même si nous disons que les Ougandais sont de l'autre côté avec les M23, en même temps, ils sont avec les FARDC pour lutter contre les phénomènes ADF, quand même, il y a quand même une évolution. Ce n'est plus comme il y en va à 2013-2014. Et nous pensons que les phénomènes sont en train de finir. À Ituri là-bas, ce n'est plus avec cette ampleur. On est en train de mettre la main sur les grandes personnalités des ADF. On est en train de les neutraliser. Et nous pensons que ça va finir. Donc avec ce mandat ici, nous avons de l'espoir que même le phénomène ADF va finir. Au même temps qu'on va bouter dehors les M23 qui sont en train de nous endeuiller ici jour et nuit et que la situation va se rétablir, messieurs les journalistes. Après les bombardements d'ici janvier 2024, c'était un certain samedi, les bombardements qui ont été effectués par le FARDC, on a observé du côté du M23 l'agitation. Cette agitation, il dit à quoi? Non, c'est une débandade. Je réitère les mots de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aurait dit qu'il n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol pour attaquer les Rwandais. Il peut nettoyer les Rwandais à partir seulement de la force aérienne. Voilà, il a fait une petite démonstration seulement en envoyant des drones armés qui ont bombardé les positions des M23. On a détruit beaucoup de munitions, on a détruit beaucoup d'armes, on a détruit beaucoup de militaires qui étaient à formation avec Nyonguera là-bas. Et voilà, ça c'est un avertissement qui démontre clairement que le gouvernement congolais est en train d'entrer dans sa détermination
d'en finir avec, avec la guerre et l'agression, messieurs les journalistes. Donc, Félix-Antoine Tshisekedi, on peut dire, est l'homme qui pourra mettre fin à la guerre à l'est de la République. Non, non, c'est l'homme de la situation. S'il a été réélu, c'est l'homme de la situation. Nous pensons que la guerre va finir. Merci beaucoup à la population congolaise de lui avoir accordé un deuxième mandat, un second mandat, un mandat déterminant, un mandat pour en finir une fois pour toutes avec la sécurité, messieurs les journalistes. On va parler à. Pour prendre ces points. Qu'est-ce qu'il faut d'Ali Touri et d'Ali Nord Kivu pour finir la guerre? Nous pensons que la situation actuelle est déterminante. Et que donc, avec l'appui de la population, avec l'appui de la SADC, je souhaite qu'on ne puisse, plus qu'on ne puisse pas se limiter seulement au Nord Kivu, que la SADC puisse évoluer au niveau du Nord Kivu, au niveau de l'Ituri, à appuyer les FADC qui ont toujours fait un travail titan, un travail qui console la population. Et que donc la situation de 2013, où Mamadou, le vaillant Mamadou, avait bouté dehors les ennemis de la paix, les agresseurs, avec l'appui de la SADC, avec l'appui de la brigade d'intervention rapide de la Tanzanie, là, qui nous a appuyé. Nous pensons qu'avec la SADC, au pire, on va finir avec la guerre, que ce soit à Nitour, que ce soit au Nord, qui baissent les journalistes. On va en parler de la sécurité à l'est de la République. Une mesure des autorités interdisant la circulation des motos à partir des 18h suite à la situation sécuritaire. Est-ce que c'est une manière d'éviter une infiltration rwandaise à Goma, cette mesure? Ah, messieurs les journalistes, cette mesure-là, le maire de la ville a pris la mesure, mais je pense que ce n'est pas le moment de prendre une telle décision parce que nous pensons que la population est une infiltration rwandaise. Mais les motards, quand ils sont en train de circuler la nuit, c'est aussi une insécurité. Ils sont aussi des efforts. Tout le monde a déjà compris que les sécurités viennent de quel pays? Viennent du Rwanda. Et que quand on circule, on est en train de se surveiller mutuellement. Moi, je pense que cette mesure est arrivée, c'est vrai, mais on devrait quand même être allégé. 18 heures, demander aux gens de rester, ce n'est pas tout le monde qui roule la véhicule. Les montagnes sont aussi un moyen de nous aider à surveiller. Et la ville de Goma, ils alertent. Quand ils voient un élément suspect, ils se vouent vers la police, vers l'armée, pour demander qu'il y ait un mouvement suspect. Mais quand on demande de nous arrêter à partir de 18h, c'est vrai, il y a un phénomène où on tuait les gens ici à 17h-18h. Les cambistes ont été massacrés, ont été tués à 18h-17h. Mais on a arrêté ça d'une façon professionnelle. Vous demandez que les gens puissent ne pas circuler sur le moteur. Mais M. Mathieu, est-ce qu'il y a toujours eu justice lorsqu'il y a des gens qu'on attrape dans ce phénomène de personnes qui sont toujours tuées? Oui, en tout cas, la justice est là. Nous avons vu déjà comparaître l'auditorat militaire et au parquet général de grande instance et je pense que ça marche déjà, la justice marche. Les personnes qui sont citées sont en train de comparaître, il y a eu des condamnations, les gens qui ne sont pas inculpés sont en train d'être relâchés. Nous pensons que la justice marche, donc on doit être confiant avec notre justice. Mais seulement la mesure là du maire de la ville doit être quand même... Est-ce que l'État congolais a toujours soutenu les victimes de cette insécurité-là? Oui, les sécurités-là, quand les victimes sont déjà identifiées et les coupables sont déjà identifiés, je pense que le gouvernement est en train de faire son travail. Nous devons l'appuyer, nous devons lui demander de faire plus. Depuis plus que ce qu'il est en train de faire. Et il y a des appuis, même des ONG qui sont d'appui à la justice congolaise pour mieux mener son travail. On va parler la fin pour terminer cette émission à ce qui concerne la Cour constitutionnelle qui a confirmé la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est parti déjà pour ses 5 ans. 5 ans pour son deuxième mandat. Est-ce que Tshisekedi pourra partager le pouvoir avec l'opposition? Bon, partager le pouvoir avec l'opposition, je pense que c'est... Nous avons vu avec le gouvernement de Joseph Kabila, l'opposition, c'était les Katumbi qui étaient boutés dehors de la République, les Mbusa Nyamusa qui étaient menacés, l'opposition était menacée. Mais Tshisekedi, pour ce moment, il a pour les premières 5 années, il a demandé à tout le monde de venir, tout le monde de participer au scrutin. Les Katumbi qui étaient qualifiés d'étrangers ont même aussi participé au scrutin. Tout le monde a été là. Et je pense que le gouvernement est démocratique. Et que l'opposition, la main a été tendue vers l'opposition pendant la création de l'Union sacrée. Ceux qui ont été évités sont venus, ceux qui ont résisté sont restés. La main est encore ouverte avec l'Union sacrée parce qu'il n'est pas encore tard. On a reçu des plaintes
des groupements politiques là où on a jugé recevable mais qu'on a qualifié quand même de non fondé. Il y a eu aussi un individu qui a présenté aussi sa réclamation, mais qui a été jugé irrecevable. Nous pensons que le président a été réélu réellement, la Cour constitutionnelle l'a confirmé, et que si l'opposition veut venir adhérer à l'Union sacrée, elle est la bienvenue. Le président Tshisekedi est là pour l'Union nationale. Il n'est pas président de la majorité de l'Union sacrée, il est président de tous les Congolais. Quelle que soit votre opinion, venez avec votre opinion pour contourner la RDC au lieu d'aller faire des déclarations à Nairobi, à Bounagara. Non, ce n'est pas le moment. Nous pensons que la main est tendue vers les opposés pour venir intégrer le gouvernement pourvu que les 5 dernières années qu'on vient d'accorder à Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo soient bénéfiques pour la RDC. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi sera à mesure de relever les défis pendant ces 5 ans où il sera président, tous les défis qui se trouvent dans ce pays, notamment la sécurité et tout le reste? Oui, nous pensons que le grand défi, c'est la sécurité et relever l'économie du pays. Et que donc, avec ce qu'il vient de démontrer en disant non à la négociation avec les agresseurs, c'est déjà un bon départ. Nous pensons qu'il peut continuer avec toutes ces déclarations-là, les mettre en action avec la salaire qui vient d'arriver, à finir avec la guerre et puis relever l'économie du pays. C'est l'homme de la situation, monsieur le journaliste. Ce n'est pas pour rien que la population l'a élu très massivement, ou même les opposants qui réclamaient l'ensemble des élections n'ont pas si réclamé, n'ont pas si même allé déposer leurs plaintes, leurs preuves au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous pensons que c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui écoute la population. S'il continue à cette large, je crois qu'il est l'homme qui va finir avec la guerre et l'économie va se relever de soi, messieurs les journalistes. En parlant alors à la fin, quel avenir au pays agresseur pendant les 5 ans de Félix Antoine Tshisekedi, quel est l'avenir qu'on peut penser au pays qui agresse la RDC? Non, les pays agresseurs ne doivent que s'aligner derrière la démocratie. Parce que la RDC, c'est un pays déjà qui vient de démontrer sa place au niveau de l'Afrique centrale et pays démocratique. Nous sommes déjà à notre 4e exercice où on est en train de voter sans problème. Les gens qui ont cherché à empiéter ces scrutins ont été validés. Vous avez vu 82 députés qui ont été validés par le coup, par la CENI. Et donc nous pensons que les pays agresseurs doivent baisser les bras, commencer à négocier avec la RDC, s'aligner derrière la RDC, pour que la paix règne en Afrique centrale et que l'Afrique se développe à partir de la RDC qui est le pays moteur de l'Afrique. Ces pays-là ne doivent que s'aligner. Ils n'ont pas de la force pour combattre la RDC, les grands géants de l'Afrique, messieurs les journalistes. Et pour la fin, on va en finir pendant ces 2 belles minutes avec le candidat qui ont été exclus de la course de la législature. Ces candidats, le pensez-vous qu'il est vraiment nécessaire de les arrêter? Non, ils doivent subir la rigueur de la loi. Parce que vous avez vu, on a demandé même au niveau de toutes les frontières qu'ils ne puissent pas sortir du pays. Nous pensons que l'État est en train de faire son travail et que ces gens doivent répondre à leurs actes. Ceux qui vont être justifiés, ils seront relâchés, mais qui seront réellement inculpés, la justice doit faire son travail, ils doivent répondre à leurs actes. Nous sommes dans un pays de démocratique, un pays où la justice doit faire son travail. Certains sont les membres proches du président de la République. N'est-il pas vraiment une honte pour le parti du président de la République? Non, le président de la République l'avait déjà dit. Oza la moua maï, oza totangana, oza tozanini. Donc nous avons été avec toi dans toutes les affaires, mais quand il s'agit de la justice, le président de la République ne doit pas s'inclipper dans ces histoires. Vous devez répondre de votre justice. Si vous êtes reconnu non coupable, vous allez vous serez relâché. Mais on ne peut pas dire parce que je suis frère au président de la République, je suis ami, j'ai étudié, je suis connu au président de la République et que je ne dois pas répondre de mes actes. En tout cas, ça, c'est la justice qui doit faire son travail. Elle est indépendante. Nous avons le gouvernement qui est à part, la justice qui est à part, la présidence est à part. Donc, la justice doit faire son travail. Un message pour le FRDC pour finir cette émission, M. Mathieu. Non, c'est un encouragement, un message d'encouragement. Ce qui s'est passé le samedi là avec les drones qui ont frappé fort l'ennemi, qui a des bananes pour le moment. On ne doit pas baisser les bras. On doit continuer à se tenir, les FADC, les Ouazalènes, à se rappeler de nos héros nationaux qui ont défendu les territoires congolais jusqu'à ce qu'on cède même les sacrifices suprêmes, messieurs les journalistes. Donc, nous ne faisons qu'encourager les FADC de ne pas s'endormir à cause de ce cessez-le-feu précaire. On doit frapper fort.
Parce que c'est notre territoire. On n'a pas d'autres arguments. Dire que non, c'est les faits, c'est les faits. Non, non. Ils ont violé ce cessez-le-feu eux-mêmes, les rebelles, les terroristes. Et nous, on doit répondre proportionnellement à leur agression. Donc, ce qui s'est passé le samedi-là, nous ne faisons qu'encourager et qu'on puisse continuer. Si on fait ça 2-3 jours, maintenant, les rebelles vont fuir d'eux-mêmes et la rébellion va se terminer, l'agression va se terminer d'elle-même à cause des frappes qui sont en train de subir. Il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de morts, beaucoup de décisions de matériel qui ne sont même pas comptabilisées. Et que donc nous encourageons les FADC de continuer à frapper fort, monsieur. Pour votre contact est bien pour finir cette émission. Oh oui, nous sommes disponibles sur les +243 994 1990 73. Merci de nous avoir choisis, merci de nous avoir suivis. Sur Congo Live TV, nous vous disons merci et excellente journée. Merci beaucoup et bonne année.